Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vient dans le cadre des vidéos consacrées à la correction des exercices du premier chapitre Notions de logique. Le contenu d'exercice, soit ABCD un parallélogramme de centre O et le milieu du segment AD et G un point défini par le vecteur BG égale à 2 tiers fois le vecteur BC. La première question, montrée par l'absurde que les deux droites AB et IG ne sont pas parallèles. La deuxième question, montrée que les points I, G et O ne sont pas alignés. Alors, montrons par l'absurde que les deux droites AB et IG ne sont pas parallèles. Voilà une figure convenable. I, milieu du segment AD, le point G défini par BG égale à 2 tiers BC. Supposons que les droites AB et IG sont parallèles. Alors, d'après les données de l'exercice, on a I milieu de AD, cela signifie que G est milieu de BC, car AB et IG sont parallèles. Cela contradit le fait que le vecteur BG égale à 2 tiers fois le vecteur BC. Donc, ce qu'on a supposé vrai, c'est-à-dire AB et IG sont parallèles, c'est faux. Cela veut dire que les deux droites AB et IG ne sont pas parallèles. La deuxième question, montrant que les points I, G et O ne sont pas alignés. Pour cela, supposons que les points I, G et O sont alignés. Autrement dit, le point J appartient à la droite IO. D'après les données de l'exercice, on a le point I au milieu du segment AD. Et O est le centre du parallélogramme ABCD. Alors, cela signifie que les deux droites AB et IO sont parallèles. Et puisque le point J appartient à la droite IO, car les points sont alignés, cela signifie que le point G est milieu du segment BC. Ce qui contradit le fait que le vecteur BG égale à 2 tiers fois le vecteur BC. C'est-à-dire ce qu'on a supposé vrai et faux. Cela signifie que les points I, G et O ne sont pas alignés. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.